Je peux même demander à Elena, mais elle joue pas à Smash. Eh, hey, tu sais, je vais demander à Exotit, il a pas joué à Smash depuis très longtemps, donc... Moi, je peux te dire qui joue dans Smash. Qui? Voldemort. Allez, on va tourner. Bonsoir à tous, c'est Addictio et aujourd'hui encore une fois une chronique Smash avec cette fois un autre invité de marque, monsieur Iconoclast. Vite ! Voilà, parfait, ça représente très bien le personnage. Comment vas-tu, Ico ? Je vais très bien et toi ? Ça va très bien. Tu vois toujours du foot ? Exactement. Très bien. Commence à lire mon image en 3 secondes, c'est bien. Je t'écoute ? Bah déjà merci. Bonjour, enchanté. Enchanté. Moi c'est Ico, tu es chez moi. Exactement. Voilà. Je suis chez Ico, c'est merveilleux, c'est plus spacieux que ma chambre. Oui, on fait quoi là du coup ? Écoute, je vais te poser 5 questions. Je t'écoute. Sur Smash. Ah mais je déteste le jeu. Mais je savais. Je n'aime pas Smash du tout. Je fais ça que pour les vues alors. Mais bien sûr. D'accord. Tout le monde le sait, tout le monde fait ça pour l'argent. Pas de problème. Je t'écoute. Bon, t'es prêt ? Je suis prêt. Alors, comment t'as découvert Smash ? Alors, j'ai découvert Smash sur Smash Bros 64 quand j'y jouais. C'était pas ma cartouche, bien que j'ai acheté une cartouche après à moi tout seul pour jouer avec mon petit frère et puis avec les voisins. Mais j'ai découvert chez un copain qui avait Nintendo 64 et 4 manettes clear blue. Attention, hein, le détail est important, les manettes étaient clear blue. C'était des manettes test de grossesse, exactement. Non, c'était des manettes... c'est pour ça, c'est depuis cette époque d'ailleurs que j'adore les manettes et les consoles transparentes colorées. Parce que c'était les manettes Nintendo 64 bleues transparentes, vertes transparentes, jaunes transparentes. Et une blanche transparente, tout ça. Ça devait être beau. C'était magnifique. Et j'y jouais du coup sur Nintendo 64, où il n'y avait pas beaucoup de personnages, mais on s'amusait déjà beaucoup. Enfin, ce qui est marrant quand même, c'est que dans le roster, moi je savais pas du tout qui c'était Captain Falcon. Je savais pas non plus qui était NES. Je crois que personne à l'époque ne savait qui était NES, faut pas déconner quand même. Même Captain Falcon, en vrai, c'est chaud, parce que à l'époque, on l'avait connu avec F-Zero-X. Et pour nous c'était un personnage random dans le lot, il était sur la boîte, sur la jaquette de base et puis on s'en battait un peu les... Oui c'est ça. Hein ? Oui. Voilà. Faut dire ce qui est hein. Mais du coup ouais, et Nintendo 64 a joué avec les copains, donc depuis le premier opus. D'accord, ok. Et c'était marrant. Mais de là à dire que c'est le meilleur Smash, non faut pas déconner. Oui, c'est peut-être le pire. c'est le pire. C'est le pire. Et puis, magnifique transition pour te demander, pourquoi t'aimes autant Smash ? Je t'ai dit que j'aimais pas ça. Mais je sais que t'aimes bien au fond de toi quand même. C'est vrai. Moi j'aime Smash, c'est pour la bagarre avec les copains. Il faut qu'on soit quatre avec des objets et il faut que ce soit n'importe quoi. Parce que le n'importe quoi va créer des situations mémorables. Ça va créer des moments où t'avais un mec qui a deux doigts de gagner, il avait pas vu qu'il y avait une mine sous ses pieds, puis hop, il pète et il part à l'autre bout. Et t'as gagné du coup. T'as gagné sur pas de chance. Moi ce que j'aime c'est les situations que ça crée. C'est le n'importe quoi, c'est les renversements. Et je trouve que bah, je vais te donner l'exemple de Super Mario Party, où c'est aussi n'importe quoi, tu vois. Mais malgré tout, Smash récompense quand même le fait que tu sois un bon joueur ou pas. Je veux dire, si le mec il avait fait gaffe à la mine, il aurait pu l'éviter, il m'aurait défoncé quand même. Là, il y a quand même cette récompense du joueur le plus skillé dans le lot, contrairement à Mario Party, où c'est complètement bité à la fin et complètement aléatoire. C'est ça que j'aime, en fait. C'est vraiment la situation... C'est la blague avec les copains et aujourd'hui quand je joue à Smash, j'aime beaucoup passer du temps avec une pizza, une bière et des copains autour à jouer et puis à se bourrer le pif en aléatoire avec full objets et puis balle Smash. C'est comme ça que j'aime Smash. Et ben, t'as tout à fait raison, moi j'adore jouer avec les objets aussi. Beaucoup de gens n'apprécient pas, c'est dommage. C'est pas qu'ils apprécient pas, c'est qu'il y a une mode en ce moment de jouer en compétitif. Voilà! Après, vous faites ce que vous voulez, mais. Moi, je connais des gens qui sont compétitifs sur Mario Kart 8, c'est pas ouf, hein! Jouer à Street Fighter, hein! En vrai! C'est un très bon jeu! Ah, pardon, y'en a pas sur Switch! Ah! Jouer à Street Fighter. C'est bien Street Fighter, c'est un très bon jeu. Bon, ensuite, tu as vu que le mode Spirit a été annoncé au dernier direct. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Au début, je croyais que c'était un partenariat avec White Spirit, mais ce n'était pas du tout ça. J'étais un peu déçu. Voilà. C'est pas
Merci, merci. Non, c'est bon, c'est fini, coupé. En vrai, qu'est-ce que tu veux, j'ai... Très sincèrement, hein, et je vais pas faire le con en mode où je t'invente et je te pipe des trucs, je n'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris. J'ai compris que c'était un mode histoire, grosso modo. Il y avait probablement quelque chose de marrant. Je trouve ça mignon que Sakurai fasse de Kirby le sauveur de l'univers Nintendo. Mais comment fonctionnent les spirits? Pourtant, j'étais là, hein, j'ai vu le live et tout ça en la... pendant que tu faisais concurrence sur ta chaîne pour le faire de ton côté. J'étais là et je le regardais, tu vois. Je n'ai absolument rien compris. J'ai rematé la conférence. Compliqué. Si j'ai bien compris, ils voulaient pas modéliser aussi tous les trophées, donc du coup ils en font plutôt des stickers. C'est ça, oui, les c'est spirits. Ça, c'est ça. Voilà, j'ai pas tout compris. Je sais pas. Je sais qu'il y a un mode histoire. Il y aura une vidéo sur la chaîne. Voilà. Abonnez-vous à Bronol. C'est pas dit que je comprenne à la fin non plus, mais. Non, je sais pas. Ça a l'air sympa. Il y a un mode histoire, je suis content. Oui, voilà. À défaut de pas en avoir. C'est ça. Ça joue toujours du jeu, du coup c'est cool. Ensuite, comptes-tu jouer longtemps à Smash avec les copains, en ligne Bien sûr, je compte jouer à Smash, essentiellement avec les copains, en ligne, avec toi aussi, j'espère bien, pour faire des streams, etc. Il y aura des vidéos sur Iconoblast qui seront faites dessus. C'est prévu de longue date. Après, bon, bah, comme je l'ai dit, je ferai pas de compétitif dessus. Moi, si j'y joue, ça va être essentiellement à 4 ou à 2 avec les objets. Bon, peut-être s'il y en a un qui fait un cacamou qui veut absolument sur un V1 du Nord pour voir qui est la plus grosse, ok, il n'y a pas de problème, c'est toi qui l'as, calme-toi, je suis pas bon à Smash. Mais oui, j'ai prévu d'y jouer assez longtemps et je suis même plutôt content que... Je sais, ça fait bizarre parce qu'on aurait vu ça il y a genre quelques années, de voir tous les DLC sont annoncés en avance, tu pourrais dire « Pourquoi ils mettent pas le jeu complet dès le début ?» Mais je suis plutôt content en fait qu'ils aient annoncé un soutien du jeu sur une longue période, parce qu'ils ont prévu ça pour faire sur un an, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Et donc ça veut dire que tu vas y jouer, ne serait-ce que pour y revenir de temps en temps pour voir les nouveaux ajouts. Oui. Au moins, ils soutiennent le jeu, ils s'investissent dedans. J'y jouerai autant que j'y joue à Mario Kart ou à Splatoon, c'est-à-dire de temps en temps, bah, comme j'ai envie de faire caca. Ouais, ou peut-être même en même temps que j'irai faire caca. Voilà. Parce que on peut jouer. C'est ça l'efficacité Switch. Exactement. Et puis, tu as parlé des DLC, mais justement, il y a 5 personnages qui ont été annoncés. Oui. Tu t'attends à qui ou tu veux qui? J'attends la boule d'Odama. Très sincèrement, je pense qu'elle a moyen, parce qu'on n'imagine pas tous les effets de rotation qu'il peut y avoir sur une boule. Elle peut un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Des fois, t'as l'impression qu'elle va vers la gauche, mais non, parce que tu l'as fait lifter, donc du coup, elle part à droite. C'est extrêmement profond, le gameplay d'une boule, et je pense que c'est sous-estimé. Avoir Odama comme personnage jouable pourrait être, je pense très sincèrement, pour les actionnaires de Nintendo, le choix le plus judicieux de la part de Sakurai. Très sincèrement. Après non, pour les autres, je sais pas. Honnêtement, j'ai déjà à peu près tout ce que je voulais dans Smash comme personnage. Le reste, ça peut être que de la surprise. Éventuellement, j'aimerais bien voir de nouveaux personnages de la licence Zelda. Ça pourrait être intéressant d'en voir des nouveaux apparaître, parce que bah, je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. Je ne compte pas les 3 itérations de Link. C'est 3. Ça fait beaucoup quand même. Je rappelle quand même Toon Link qu'à la base c'était censé être Link enfant. Enfin bref, c'est pas dramatique. Ça fait beaucoup de Link. J'aimerais avoir d'autres personnages parce qu'il y en a des tout aussi marquants dans la licence Zelda. Éventuellement, parce qu'on n'a pas eu finalement notre personnage marquant entre guillemets de la lubie Nintendo de cette génération. Donc un personnage marquant de Nintendo Labo. Même si Nintendo Labo est en train de littéralement se foirer parce que personne ne comprend ce que c'est. Mais j'aimerais avoir genre, tu sais, ils avaient fait des petits dessins là du Nintendo Labo Boy qui se bat avec son Joy-Con. Oui. Moi je trouve que ce serait tout à fait raccord, j'aimerais voir ça. Pour le reste, peut-être à chercher du côté des guests. Toujours Rayman, j'aimerais Rayman ou un lapin crétin, ça serait sympa. D'autant plus que bah, avec le jeu Lapin Crétin fait par Ubisoft, ça pourrait être très cool. Bah oui, enfin il y a eu tout ce qu'il faut, enfin même un personnage de Starlink. Bon alors il ressemble à des personnages de Fortnite, c'est vrai, mais un personnage de Starlink, ou même un trophée aide, tu vois, s'il rajoute un trophée aide Starlink, etc. pour montrer l'implication d'Ubisoft, ou même Ezio à Auditore, ou même le Far Cry Guy, ou le Doom Guy dans Smash. J'aimerais avoir le Doom Guy dans Smash, c'est pas Ubisoft, mais j'aimerais bien avoir Doom Guy dans Smash.
il arracherait les membres de Mario, tu sais, puis il les balancerait sur ses ennemis, ils ont peur, du coup ils se suicident. Ça te rapproche à peu près du trailer de Riley, hein. Exactement. Et j'aimerais aussi avoir l'Alien dans Alien pour un combat entre Ridley et l'Alien. Et puis au milieu, t'aurais Predator qui fait « Non, ne vous battez pas, vous êtes des monstres tous les deux. » Je crois qu'on va t'arrêter là, parce que là, tu pars un peu trop loin pour moi. Non, mais sur un plus sérieux, j'attends pas grand-chose des DLC, comme je t'ai dit. J'ai déjà tout lu. J'ai déjà tout ce que je voulais, donc ça me va. Eh ben très bien, et eh ben merci, de rien, de m'avoir accordé du temps. Bien sûr, pas de problème, quand tu veux. Ça en public. Et on se retrouve dans la prochaine chronique Smash avec une petite surprise encore. Du coup, je vous fais des bisous et à la prochaine. Putain, mais ta chaîne, c'est un Kinder Surprise en fait. Oui, bah, hey, ça va.